cette toile s'intitule Chemin d'éternité. Comme dans le psaume 138 où il est écrit « Conduis-moi sur le chemin d'éternité », nous sommes invités à demander au Seigneur qu'il soit notre guide. Ici, vous avez une inclusion biblique qui est comme cette borne qui nous permet d'avancer, non pas de descendre, mais de nous élever vers cette promesse, vers cette éternité, vers ce paradis et ce face-à-face lumineux et bénissant. Voilà, que nous puissions nous laisser conduire par le Seigneur, malgré les up and down, voilà, ce chemin un peu sinueux, que nous puissions rester dans cette espérance que l'éternité nous est promise et elle s'invite déjà dans notre vie, sur notre chemin, si nous nous laissons conduire.